8 heures ce matin à Randan, tous les passagers sont là, au rendez-vous. Personne ne veut rater le bus de Noël. Il faut dire que la journée s'annonce très chargée. On va se promener, bien sûr, le marché de Noël, les magasins, les... Je ne sais pas du tout ce que je vais acheter. C'est pas souvent qu'on va à Clermont, alors pour nous, bon, c'est une bonne journée d'aller au centre-ville. Sur la communauté de communes de Randan, une centaine de personnes se sont inscrites. Un record, 2 bus ont été affrétés pour l'occasion. Une heure plus tard, on retrouve nos passagers de Noël à Clermont, à Polydôme exactement. Tous les bus du département se sont donné rendez-vous là. Avant d'aller faire les magasins, il s'agit de prendre des forces. Il est très bon, bien sucré, bien, bien, bien. Cette année, on est bien accueillis, quoi. Petit passage à l'accueil pour récupérer un sachet surprise. Et voilà nos voyageurs repartis. Direction le centre-ville pour la famille Blanc, grands-parents, parents et petits-enfants. Bah, on a un paquet de papillotes, chocolat. On a un livre sur les côtés du terroir. Et on a un ticket tram. Tout le monde se rue dans le tram, dur de se frayer un passage. Heureusement, quelques minutes plus tard, arrivé à bon port sur la place de Jaude avec son sapin et sa grande roue. Par contre, j'ai peur que je serai en haut parce qu'en fait, elle est trop ouverte et sinon c'est trop beau, voilà. Très bien, très décoré avec la grande roue, c'est super joli. Vite, vite, la famille Blanc s'échappe. Au programme, le marché de Noël, le centre Jaude et un petit hamburger juste à côté du stade de l'AS.